Y'a pas de place. Y'a pas de place. On va sur la voiture. Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui en Jordanie. Nous sommes en plein milieu du désert, le désert Wadi Rum. On a un programme très chargé, on va faire des choses de ouf, on va vraiment découvrir le pays. Montgolfière par exemple, on ira se baigner dans la mer morte. Et je ne serai pas seul, je serai avec... Norman, les barbecues. On a commencé sur ta chaîne. Oui. Et on continue ici. Exactement. Comme d'habitude, à la 4L Trophy, comme on dit. Exactement, c'est l'aventure. Dans ce vlog, c'est beaucoup plus détente. Bref, découvrons la Jordanie. C'est parti! On est arrivé! Oh là là! C'est vraiment magnifique ici. On va avoir un des meilleurs spots pour décoller la montgolfière ici. Ils sont en train de tout préparer. Ok, je suis obligé de lancer un petit coup de drone quand même. Dès le matin, 5h, on y va, c'est parti! Ça chauffe hein. Il faisait froid en plus, on était dans le désert, on avait besoin de chaleur. Ok, c'est parti. Lucas, il est pas bien du tout. J'adore les montgolfières, notamment grâce au bruit qui permet de se reposer quand on est en vacances après une vie parisienne. Eh bien ça aère un peu l'esprit. Et on se retrouve avec soi-même, c'est ça qui est important. J'ai peur de la hauteur. Au revoir. Au revoir. C'est parti, hein. Waouh. C'est ouf. Regarde l'ombre de la montgolfière. Comment on penche. On est parti. Bon ben voilà quoi, on est dans le ciel, hein. Voilà. Je pense qu'on est bon, hein. On peut profiter du désert Wadi Rum en toute simplicité, avec juste une montgolfière. C'est pas compliqué. Tu vois, c'est ouf, y a pas de vent alors qu'on se déplace. C'est parce qu'on est dans le vent, tu vois. Y a aucun nerf, tu vois. C'est encore plus dangereux, non? Bon, on commence à prendre pas mal de hauteur, on va pouvoir apprécier ce magnifique paysage. Avec une petite musique. Oh bah là, il faut une petite musique. Vous voulez une petite musique? Là, j'insiste. Savez-vous que 2700 feet, c'est-à-dire pieds, ça fait 1 km? Maintenant oui, car nous sommes à 1 km d'altitude. Ok, c'est parti pour l'atterrissage. Ça va clairement être épique, avec un maximum d'action. Peut-être pas. Peut-être que ça va être un petit peu ennuyeux. Parce qu'il se peut que ça bouge vraiment dans tous les sens. Oui, ça se peut. On peut avoir du danger, de l'adrénaline. Oui. Bah écoute, dans le doute, mets des bandes noires. Ok. On sait jamais. Action! Oh mon dieu! Waouh, bon, on va passer à un autre acteur. Allez-y, on a un acteur studio. Il y a du vent. Iceberg. Il y a un énorme wedge de 30 mètres de profondeur. On va taper. Ça va taper. Tu as peur? Ça va taper. Yalla. Là, ça va taper. Il va se poser tranquille, je suis sûr. À mon avis, ça va taper. Il y a de la caillasse. Ça va taper. Là, franchement, ça va taper. Je suis pas sûr. Ça va pas taper. Franchement, ça tape. Ça va pas taper. Ça va pas. Regarde, il fait ce qu'il a dit. Regarde. Allez, on y va. Ça va taper. Ça va taper. Waouh. C'était nul. Ah, waouh. C'était vraiment. Okay, j'ai peut-être un peu teasé l'atterrissage, mais c'était nul. Je me casse. C'est ce qui va se passer quand tu vas te casser. On va s'envoler. Rien à foutre. C'est terminé. C'était épique, c'était magnifique, vraiment cette région, elle a de très belles couleurs, de très belles montagnes, un très beau désert. Je pense qu'à l'image ça va être vraiment sympa. Les youtubeurs, même au fin fond du désert, continuent leur challenge. Moi, peu importe où je suis, il faut toujours que je puisse faire un buzz grâce au dab
ou au Bottle Challenge. C'était pas mal. Ces jeunes vidéastes ne s'arrêtent jamais. Des vrais manias du digital. Le problème quand je suis invité en voyage, c'est que j'ai plus le temps de m'entraîner. Alors j'essaie de trouver un petit coin, un petit moment et je pratique. Leur motivation est sans égale. Ce qui les intéresse, le CPM. Effectivement, moi c'est le coup par mille. Les blagues des youtubeurs. Ok, suite du programme, on se dirige vers la mer morte. Alors la mer morte, c'est pas la mer d'un gars qui serait décédé. On est vraiment sur comme un océan. C'est, ouais, c'est ça. Qui est très salé. Qui est très salé, ce qui fait qu'on flotte littéralement. 300 grammes de sel par litre, Cyril. Pour ça c'est pas mal. Info. La petite anecdote. Bah voilà. Pour votre santé, nagez pas trop sucré, pas trop salé. Nagez dans des fruits et légumes. Nagez 5 fruits et légumes par jour. Nagez. Pardon ? Excusez-moi, c'est bien la ligne 2 ? Ouais, c'est la ligne 2, ouais. Vers Clermont-Ferrand ? C'est ça ? J'ai pas de ma carte jeune. C'est la ligne 2, vous êtes sûr ? C'est ça, vas-y, mon visite père. De ligne 2 ? Ça fait plusieurs jours que j'attends. Ouais. Et je pense que je m'étais perdu. Donc, ah, vous étiez là aussi ? Bah, moi aussi, j'attendais la ligne 3. Putain, on aurait pu se parler. Non, ligne 2. C'est la ligne 2, monsieur. Pour descendre, là, c'est le prochain. Non, c'est le prochain, attendez, c'est le prochain. Ah, c'est le prochain. Le prochain, c'est mardi 2 juin 2019. Bon courage, hein. Courage, merci. Au revoir. Vous voulez de l'eau ? Oh oui. Ok, c'est l'heure du moment action dans le désert. On a passé beaucoup trop de temps dans ce 4x4. Tout ce qu'il nous faut, c'est de l'adrénaline. Avec mon acolyte, on va faire du ski sur le sable. Mais en basket. Les jambes surtout, tu étais dans les jambes, hein. Tu gagnes bien. J'en ai fait en 98, j'ai fait la coupe du monde. Je suis en train de m'asseoir. Wow. 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 Faut pas qu'il pète comme ça. Wow. Mes baskets étaient neuves à la base. Don't break, don't break. Wow. Wow. Remets-toi Guigui, relance-toi. Vers les jambes, ne bouge pas. Attends, faut que je me remette en mode. Yes. C'est un duel. Et toi ? Le sable est pas ouf cette année. Non. Il est un peu c'est plus... pas trop, je préfère vraiment sur de la puff. Il est un peu plus dur que l'année dernière. Pas... Tu trouves pas ? Il y a plus de cailloux. C'était une bonne saison, belle performance. Je pense qu'on fera un peu mieux quand même l'année prochaine. Faut pas oublier qu'on a les jeux de fin d'année là bientôt. Faudra gagner un peu plus. Allez, c'est parti. Yalla, yalla. C'est parti. Petite question, Cyril. Oui. À ton avis, y a-t-il plus de sable dans le désert du Sahara ? Ou dans la chaussure de Guillaume? On se pose bien la question. On va vérifier ça tout de suite. Ouais. Nous sommes arrivés à une petite localisation que je voulais vous montrer. Battlefield 1 s'est inspiré de ce lieu pour faire une map. Tu reconnais, t'as joué à Battlefield 1? Oui. Tu reconnais ou pas? Oui. On va aller voir ça de plus près. Que penses-tu de ce petit pont naturel? Mais écoute, je pense que c'est très naturel, c'est très beau, c'est sympathique. Et on va aller voir ça de plus près. Ouah. C'est immense, c'est trop beau. Waouh. Hey. Oh. Waouh, waouh, waouh. Oh. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et ça nous donne une magnifique vue sur tout le désert Wadi Rum. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est apéro? Ici, c'est chez moi. C'est la petite cavité secrète. On pensait être les premiers hommes à venir. Finalement, il y a Yeye qui est venu en 2002. Il y a Babou qui est venu en 2001, il y a Georges qui est venu en 99, il y a Sylvain qui est venu en 2002, il y a... C'est tout. Peut-être t'as fait une découverte, c'est peut-être des hiéroglyphes ou des écritures nabatéennes. Moi je reconnais. Là regarde, là. Je suis nabatéen, bientôt la fin du monde. Abonnez-vous à la chaîne de Cyril. Ouais, c'est ça. Visitez Petra. Hey, hey. Là, ici, on est là. On s'est créé une petite mezzanine sur le dessus, tranquillement. Ouais. Vous pouvez venir boire un petit thé, hein. On a creusé une petite cavité parce qu'il y avait du monde sur le pont, il y a plein de touristes, c'est chiant. Alors on s'est dit on se fait une petite un petit privé. Toute cette montagne, tout ce désert, toutes ces roches, toute cette beauté.
tout Wadi Rum, toute la Jordanie, le Moyen-Orient, repose sur ça. Ça, c'est, ça fait tenir toute la montagne. Ok, le soleil commence petit à petit à se coucher. Donc on va en profiter pour faire des très belles images au drone. Je vais essayer de capter les dernières lueurs de lumière sur les montagnes là-bas. On vient d'arriver à l'hôtel et c'est tout simplement magnifique. Très belle chambre. Est-ce que je peux voir la salle de bain? Ouais, mais c'est juste pour voir. Vas-y, vous. On va profiter de la vue. Oui, je vais rester là toute la journée. Mais avant, on va aller se baigner dans la mer morte. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Bah, je vais pas faire le malin parce que c'est toi qui me l'as appris il y a 10 minutes. Oui. Mais on est sur le point le plus bas de la Terre. Exactement. Pourquoi on l'appelle la mer morte, Maxime? Parce moment culture. Avant, elle était connectée aux océans, mais plus maintenant. Et du coup, elle était grande et son taux de sel était normal. Ouais. Et puis elle s'est mise à baisser, à baisser, à baisser. D'accord. À s'évaporer. Mais le sel, lui, il s'évapore pas. Il T'as déjà vu des nuages en forme de sel? J'ai jamais vu des ça. Des nuages qui pleut du sel? Non. Non, donc le sel, il reste dans la mer, alors que l'eau, elle monte. Ouais. Et du coup, elle est très, très concentrée en sel. 300 grammes par litre. 300 grammes par litre. Oui. On passe à un taux de salinité de 27,5%. Et ça, on l'a pas vu sur Wikipédia, on le sait parce qu'on a de la culture. On va baigner dans du sel. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour notre corps, Cyril? Ce taux de sel permet donc de flotter littéralement. Oui, carrément. Sur l'eau. Alors, on n'a même pas dit quoi. Et on va tester normalement, de tester, goûter un peu. Tu vois. Alors, on va commencer par ça, je pense, ouais. On va déguster. Mais vraiment, il faut pas mettre la tête dans l'eau. Est-ce que le titre de ta vidéo, c'est « J'ai dégusté une mer ». J'ai ouvert les yeux dans la mer morte, je deviens aveugle. Non mais oui, oui, il paraît que c'est tellement salé que même au goût, au gustatif, ouais. C'est déjà choquant. Et si t'as ça sur tes yeux, t'es fini. J'ai pas pris mes petites lunettes de piscine. Ah, ça va être tourmentant. Et on me dit à l'oreillette qu'on dépasse les moins 400 mètres. 404 mètres, un nouveau record pour les deux jeunes hommes. Là, on est quand même sur une structure, une infrastructure plutôt sympa en termes de vacances, quoi. Oui, c'est familial. Piscine à débordement. Aïe aïe aïe. Le retour à l'île va être compliqué. Vous êtes au point le plus bas sur Terre, 420 mètres. Si c'est marqué sur le panneau, c'est que c'est vrai. Les gens flottent littéralement, Maxime. Hein. Je n'y crois pas. Je pense que c'est fake. Ils ont des petits moteurs en dessous. On va tester ça. C'est ah oui, c'est... alors il faut savoir que du coup la Terre est très très nutritive. Ah, ça fait trop bizarre. Ah, oh, c'est génial. Alors c'est génial. Non mais flotte, flotte. Oh. Ah, c'est énorme. Là, je flotte de ouf. Hey. C'est juste qu'avec la caméra, c'est un peu chaud. Tu veux la chaîne, tu sais? Oh, le délire. Le délire est complet. Hey, on va. Oh, what? Wow. Je me noie. Non, je... Oh, ben j'ai des hémorroïdes, je savais pas. C'était pas ça que je voulais dire. Mais je viens de le découvrir. Écoute-moi. C'est différent, c'est pas ça que je voulais dire. Écoute-moi bien. Okay. Dans le monde, tu sais qu'il y a des métiers, ce qu'on appelle des métiers de planqué. Les mecs qui sont là pour rien foutre. Ok. Okay. Explique-moi ce qu'un sauveteur en mer peut faire dans la Dead Sea. Les gestes derrière moi, il ne sert à rien. C'est agressif, hein. Ah, ça pique de ouf. Alors on va goûter, t'es prêt? Ouah. Ouah, c'est un truc de fou. Ça m'a agressé, je suis désolé, je crache jamais. Est-ce que c'est le meilleur sel que vous ayez goûté? Mec, vraiment, tu prends du sel pur, c'est moins salé. Je pense, hein. Ah ouais, non, vraiment. J'ai déjà mis mon doigt dans du sel comme tout le monde, c'est moins salé. C'est vraiment un goût gore. Hein. C'est vraiment, mais vu votre tête, j'ai pas trop envie d'essayer. Vas-y. Mets bien ton doigt et puis tu lèches bien. Ouais, mais ça va. Non, mais vraiment, fais bien. Lèche, hein, tu lèches. Hein. Ah, mais j'ai fait pas vrai. Regarde l'eau, il y a du. Au revoir, Maxime, il s'en va. Non, ça n'a pas goûté un truc légal. Pour vous protéger du soleil, sel, n'hésitez pas à utiliser des pulls d'unicorne. T'es debout? Non mais là, je te jure, j'ai pas pied. On dirait que je suis debout.
On est d'accord? Ouais. Je suis pas debout. J'ai pas pied. Et comment tu fais pour te déplacer? Franchement, tu peux venir avec la cam, mais tranquille. T'es... Ouais, c'est chaud. Non, je te jure. Bon, allez, on va rentrer. Et là, je sens que c'est vraiment agressif. Moi, je peux pas rester plus. Hein. Bon, visiblement, mon micro a pris très cher. Il ne fonctionne plus. Alors, je vais le faire en voix off. De base, j'avais filmé ce plan pour vous dire au revoir. Mais je vais tout simplement répéter ce qu'on était en train de dire. Eh, hey, Maxime, on n'aurait pas passé un super bon moment en Jordanie? Clap! Bonjour! Si, carrément! Je sais pas le faire. Bon. Oui, on a passé un très bon moment en Jordanie, Cyril. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. En tout cas, je compte vraiment sur vous. C'est super important sur ce type de vidéo. Merci à tous ceux qui cliqueront sur ce petit pouce. Un énorme merci à Visit Jordan qui a financé ce voyage. C'était vraiment ouf. Ils nous ont suivis, ils nous ont guidés. Si vous aussi, vous voulez visiter la Jordanie, je vous mets le lien dans la description. Il y aura toutes les informations nécessaires. La première partie de ce vlog est disponible sur la chaîne de Maxime. Alors, allez faire un petit tour. À bientôt!